Alors Frédéric, la crise sanitaire, cause d'une aggravation à venir de la crise capitaliste ou au contraire effet collatéral de cette crise? Alors, la crise sanitaire, cause ou aggravation? Cause d'une aggravation ou effet? Cause ou effet? C'est un peu les deux. Fondamentalement, bien sûr, il y a depuis longtemps une entrée dans une longue phase de difficulté, mais il y avait une crise conjoncturelle très profonde qui était entamée depuis 8 mois avant le coronavirus. Dès début 2019, un ralentissement de l'activité et 1 ou 2 mois avant le coronavirus, on avait les bourses qui commençaient à flancher. Hein? Parce que énorme accumulation de capital sans création de richesse, si vous voulez, voilà. Non, pas de création de richesse, et donc au bout d'un moment, on tend l'élastique, et le capital, il veut sa rentabilité, et donc ça pose un problème. Parce que les gens, les spéculateurs disent qu'il n'y a pas assez de rentabilité, et donc on a des débuts de craquement très profonds. Mais bien sûr, le coronavirus, comme je l'ai écrit dans une note publiée 5-6 jours avant, ou une semaine ou 5-6 jours avant les annonces de Macron pour le confinement, accélérateur, révélateur et catalyseur de la crise, plus exactement, le corona. Révélateur et catalyseur, catalyseur et catalyse, ça veut dire qu'il y a des choses qui explosent derrière, effectivement, très profondément. Mais aussi qui peut aider à des remises en cause. Certes, c'est ce que beaucoup voient, mais il ne faut pas être naïf. Je pense qu'on est plutôt en septembre 40 qu'en août 44, avec les jours heureux, ou préparer la reconstruction. Il y a beaucoup de naïveté ou de tambouille actuellement là-dessus. Je pense qu'il faut avoir l'humilité, de la résistance, et dans la résistance faire la construction, bien sûr. Mais il va y avoir une déferlante. Donc ça, c'est le deuxième temps, effectivement, accélérateur. Aggravation très forte. Parce que à la sortie, il va y avoir licenciement, ça a commencé, chômage massif, déjà pendant la pandémie, une augmentation du chômage considérable, bien qu'ils aient fait des dépenses pour soutenir l'emploi par le chômage partiel, c'est-à-dire des dépenses à l'envers de ce que la CGT nous voulons. Qui est une sécurité sociale professionnelle, ou d'autres comme moi, nous parlons d'une sécurité d'emploi ou de formation, à l'envers. Mais à l'envers, on prend quand même. Donc chômage partiel pour garantir l'emploi, et pourtant chômage comme jamais, et là, à la sortie, licenciement. Raymond Soubi, expert social sous Sarkozy et très lié au patronat, comme Roux de Bézieux, disent il va y avoir une explosion du chômage. Et en même temps, Soubi dit. Il va falloir remettre à plat les règles des licenciements. Mais on est preneurs, nous. Mais pour des règles, non pas de licenciement, mais des règles qui permettent des restructurations d'entreprises et d'évolutions d'entreprises sans licenciement et avec le pouvoir des travailleurs, bien entendu. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Donc, je reviens. Ça va taper chômage, ça va taper pauvreté. D'ailleurs, ils sont déjà à bout, les associations sur la pauvreté. Et Macron a été obligé de rallonger un petit peu les choses. Ça va taper austérité renforcée, d'abord parce que c'est leur dogme, et ensuite parce que comme ils ont fait des dépenses sans les revenus, ce qui est normal, c'est des avances, une création monétaire, ils le gèrent, mais ils le gèrent par une dette sur les marchés financiers, et donc ils vont dire, va falloir payer la dette, c'est à vous de payer. Et le problème, c'est pas seulement de faire payer les travailleurs. Bien sûr, c'est injuste, mais en plus, ça va enfoncer dans la crise de faire payer. Et donc, parce que il va y avoir une austérité renforcée au nom de la dette et les services publics rabougris, et à nouveau, pas les moyens de développer l'emploi dans les entreprises. Services publics rabougris, on l'a vu, il y a déjà des mesures qui sont prises pour revenir à moins de lits d'urgence. Les hospitaliers avaient pris le pouvoir dans les hôpitaux. Et avait réussi à faire en sorte de se réorganiser pour passer de 5 000 lits d'urgence à 10 000 lits d'urgence. Et un lit, c'est pas seulement le lit physique, c'est aussi des soignants, c'est aussi toute une organisation, c'est des gens conformes. Et là, on resserre, ils veulent revenir à 5 000 lits, ils veulent continuer les plans d'austérité pour la santé, les plans, les PRS, les plans régionaux sanitaires, etc., etc. Alors qu'au contraire, il faudrait embaucher tout de suite dans les services publics, que ce soit en priorité la santé, l'éducation,
les transports, mais bien sûr aussi dans les services publics de gestion de la monnaie, de gestion de la fiscalité, mais aussi dans les services publics territoriaux, en réalité dans tous les services publics. C'est ça qui permettrait d'arriver à s'en sortir. Donc, licenciement, pauvreté, austérité renforcée au nom de la dette, alors qu'il faudrait au contraire faire des avances pour continuer. Et puis, l'argent va continuer à aller au capital. Des milliards d'euros déversés par la Banque Centrale Européenne, dont une petite partie, en réalité, aide le développement, mais une énorme partie va à la croissance financière ou aux entreprises sans condition et qui vont licencier. Le meilleur exemple, c'est que depuis quelques jours, les bourses s'envolent à nouveau. C'est indécent, c'est incroyable, c'est un scandale absolu. Donc la question de l'utilisation de l'argent, parce que l'argent, c'est un levier majeur pour faire autrement, elle est au centre de l'affaire. Alors bien sûr, c'est-à-dire que on va nous dire, mais c'est le confinement et l'arrêt de l'activité qui crée la crise. C'est ça ce que disent les experts, y compris de l'INSEE ou autres. Non, ils décuplent et c'est le type de confinement. Alors qu'on pourrait utiliser le confinement pour dire attention, il faut faire autrement, on va mettre des gens en formation, réfléchir sur les modèles de développement dans l'automobile, dans l'aéronautique, en outil, puisqu'il y a une urgence, tout le monde est d'accord, pour utiliser l'argent pour sécuriser les gens, on met, mais pour développer. Et de l'autre côté, on va ne reprendre l'activité que les prioritaires, avec la moitié des gens, par exemple, l'autre en sécurité, et puis on organise des rotations entre travail et non-travail, on prépare réellement une entrée, on prend le temps, au lieu de se précipiter, sous la pression, non pas de l'économie, quand ils veulent nous faire croire, que c'est sous la pression de l'économie, mais sous la pression de la rentabilité et du profit. C'est ça ce qu'ils veulent, profit de court terme, rentabilité. On pourrait au contraire prendre le temps, développer. Ils vont nous dire, la crise, c'est parce que l'État n'est pas intervenu. Mais l'État intervient massivement. Nasser Mansouri-Guilani, expert économique de la CGT, montrait 200 milliards d'étendument pour l'emploi d'aide aux entreprises. 200 milliards. Donc, non, l'État intervient massivement, mais pour le capital. Donc, le problème, c'est quelle intervention de l'État? Et donc, en finir avec ce monopole de la logique du capital. C'est quoi? Parce que c'est vraiment une crise du capital et de sa domination. Et sa domination, c'est trois choses. C'est des pouvoirs du capital, un monopole, une logique, tout doit être jugé à la rentabilité, et des coûts considérables, les coûts du capital, dividendes, prélèvements financiers, gâchis matériels, délocalisation, j'en passe et des meilleurs. Et donc, il faut inverser, et donc, il y a la question de contrebattre ces monopoles du pouvoir du capital sur l'utilisation de l'argent, d'autant que c'est l'argent de tous. Parce que on est dans l'urgence. La fiscalité, on verra après, parce que la fiscalité, il faut prélever sur des richesses qui existent. Pour l'instant, on en a moins. Donc, il y a des avances monétaires, c'est la création monétaire, mais comment elle va être utilisée, où? Et donc, il y a un grand enjeu, comme des comités de résistance dans les territoires, partout, depuis les localités, les départements, les régions, au niveau national, voire au niveau européen. Qu'est-ce qui est fait avec cet argent? Mettre ensemble les usagers, les travailleurs qui disent non, il y a des productions essentielles, d'autres qui ne sont pas essentielles, il y a des recherches à faire, les gens des services publics pour appuyer, pour pouvoir observer. Donc, et quel argent, où, à quoi il sert, comment il va, et dans une coordination de toute la société, et des services publics et de l'appareil productif. Voilà. D'autres vont nous dire, et j'en finis là, c'est la mondialisation le problème. Non, le problème, c'est le type de mondialisation. On a une mondialisation de guerre économique, alors qu'il faut un grand partage. Alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une autre coopération? Oui, ça crève les yeux. Mais tu as raison de poser la question, parce que ça crève les yeux, donc on dit il faudra en faire. Non, il faut s'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire, des coopérations? Ça veut dire une autre mondialisation, un autre type de mondialisation. Or, on a une mondialisation au service du capital. Par exemple, il faudrait quatre choses nouvelles. Hein, mais il faudrait des coopérations entre entreprises qui ne soient pas dominées par le capital, des règles nouvelles, aussi bien pour les échanges internationaux, pour les investissements ou pour les brevets, une gouvernance mondiale nouvelle, hein, notamment... On a actuellement d'un côté l'ONU qui fait des choses, mais d'autre côté le FMI qui est complètement à côté, qui lui gère l'argent, impose les austérités, et il y a un mur de Berlin entre les deux. C'est la même faillite qu'au moment de la SDN, la Société des Nations, qui n'a pas pu empêcher les guerres mondiales, hein, qu'on a cette des nations qu'on crée après la Première Guerre mondiale, et qui, elle, n'avait pas de moyens, c'était pas de tanks, pas d'argent, pas de militaires, pardon.
Aujourd'hui, les tanks, c'est l'argent. Et on a un ONU sans argent. Comme hier, une SDF sans militaires. Parce que l'argent, c'est le FMI qui va faire le contraire de ce que fait l'ONU. Donc, il y a un énorme enjeu de gouvernance mondiale et de gouvernance coopérative, bien sûr. Trouver des alliances. Donc, coopération entre entreprises, nouvelles règles pour les échanges et les investissements, les brevets, gouvernance. Et donc, cette question de l'argent est fondamentale. Mais déjà, des coopérations pour l'argent en Europe. Pas seulement parce que la Banque centrale existe, mais parce que l'Europe, si on fait des avances tout de suite, dans un monde où il y a le dollar qui est énorme, les mouvements financiers, les capitaux, un petit pays ne pourrait pas. Il serait tout de suite démoli par les autres. Donc on profite de la surface ensemble pour faire les avances mutualisées par la monnaie européenne, mais au service directement des dépenses nationales des États. Et donc, la Banque Centrale Européenne, elle devrait alimenter un fonds européen, mais qui dialogue avec les États, et c'est les États qui développent les services publics, et un fonds européen tout de suite démocratisé. On peut mettre ça en place tout de suite dans l'urgence. Donc ça, c'est les quatre éléments. Alors, je reviens sur les coopérations entre entreprises. Hein ? Coopération entre entreprises, actuellement, en réalité, on a l'hyperconcurrence entre les entreprises. Et puis, au nom des chaînes de valeur mondiales, on a en réalité les chaînes d'activité qui sont réparties, et puis la valeur, elle est ailleurs. Ils jouent sur la différence entre activité et valeur, et ils se monopolisent la valeur ailleurs avec des tuyaux qui permettent de transférer la valeur, alors qu'elle est créée dans une activité ici. La valeur va aux îles Caïmans, alors que l'activité est créée à Sanofi Vitry ou Sanofi en Chine. Donc, il y a vraiment une question de coopération entre entreprises, où c'est pas le capital qui organise les chaînes, mais où c'est des accords non capitalistiques entre entreprises, des accords coopératifs, des nationalisations aussi, une appropriation sociale, mais aussi des accords internationaux entre entreprises pour partager les connaissances, les ressources. C'est ça dont il y a besoin pour produire autrement. Et non pas seulement relocaliser, mais une autre logique de la localisation, une localisation répartie, parce qu'on ne va pas non plus jouer la France contre, je sais pas, l'Afrique, la Chine, les autres. Non, c'est ensemble. Hein, on a le débat, par exemple, sur Sanofi, aujourd'hui, hein, où Sanofi dit « on va faire en priorité les Américains », et alors d'autres répondent « on va faire en priorité la France ». Non, mais on va au contraire faire un bien commun pour le monde. Donc, d'autres règles de partage des brevets, bien commun, et non pas un brevet qui sert à être localisé dans un paradis fiscal pour pomper l'argent des différents utilisateurs des brevets et imposer des prix élevés et des localisations très concentrées, bien sûr. Donc, autre règle sur les brevets, partage mondial et non pas France contre États-Unis. Mais la France, elle peut porter ça. Donc ça, c'est coopération entre entreprises non capitalistiques, règles différentes, donc sur les brevets, mais aussi sur les investissements et les échanges. Actuellement, le TAFTA qui est très connu, mais le CETA qui est en œuvre, qui sont les accords, non pas seulement d'échanges internationaux, mais qui sont des accords d'échanges et d'investissements. Hein ? Il faudrait, à l'envers, ouvrir tout de suite le chantier d'accords de maîtrise du commerce international et des investissements au nom du but santé, écologie, emploi, les biens communs. Actuellement, le but, c'est le commerce à tout prix et protéger le revenu des investisseurs. Et le moyen, c'est, bon, un peu d'emploi, on verra bien. Et nous, on veut inverser. Le but, c'est la santé, l'environnement, l'emploi, les biens communs. Et le moyen, ben, ça peut être le commerce international, les investissements internationaux, ça permet de partager les connaissances, mais dans la mesure où ça remplit ce but-là. Et donc, c'est ça qu'il faut inverser. Et donc, c'est plus d'ailleurs le revenu de l'investisseur, qui est le profit, le mec qui met de l'argent, c'est l'investisseur, c'est le profit. C'est les richesses créées ensemble, à la fois dans leur aspect valeur, mais dans leur aspect matériel. Il faut une recherche qui permette de développer des réponses aux différentes pandémies. Parce que, j'y reviens, mais avec la crise, ce qui n'était qu'une pandémie, avec la domination du capital, ce qui n'était qu'une pandémie, est devenu une crise sanitaire profonde et mondiale. Parce qu'effectivement, le capital empêchait les dépenses dans la santé, le service public, la sécurité sociale, toutes ces choses-là, mais aussi les recherches. On a vu qu'il y a des recherches qui ont été stoppées très tôt, vers 2003-2005, sur tous les virus du type corona, parce que c'est pas rentable. Pas parce qu'il n'y a pas de risque, mais parce que pas rentable, ça ne veut pas dire pas efficace. Ça veut dire ça rapporte pas du profit très très vite. Le capital, il a désorganisé la relation entre la maîtrise publique et l'activité productive.
On n'arrive même plus en France à mobiliser correctement l'appareil de production pour des tests sérologiques. Or, ce serait absolument nécessaire. Moi, qui suis statisticien, je dis, il ne faut pas seulement tester les gens malades, mais il faut savoir en population générale quel est le pourcentage de gens contaminés et quels sont les taux de contamination. Donc, faire une grande enquête sur 30 000 personnes et pour les tester, qu'ils soient malades ou pas, pour savoir. Et là, ils nous disent 700 000 tests, on ne sait même pas si on les a voir, comment, quelle coordination et comment on les partage avec les autres. Plus, donc, le capital a imposé contre les services publics, contre la recherche, pas de coordination entreprise, et enfin, les délocalisations folles avec des concentrations de production, alors qu'il faut réfléchir à une répartition de production en lien avec les territoires. Voilà, donc, voir la logique du capital qui domine l'ensemble. Et donc, si c'est une logique, c'est pas seulement un pouvoir en haut, c'est tout un ensemble de décisions, et donc les pouvoirs des travailleurs pour remettre en cause des décisions. Mais il y a un fil conducteur, c'est l'argent qui traverse tout l'ensemble. Et jusqu'à la mondialisation, qui n'est pas si loin que ça, parce que l'argent de la Banque Centrale Européenne, il arrive dans les pays, et c'est lié à la mondialisation. Et donc, ce fil conducteur de l'argent, comment il est utilisé, à quoi il est utilisé, c'est très important, et c'est populaire. Et moi, je crois que nous gagnerions les différentes composantes du mouvement social, la CGT en particulier, à impulser des batailles à partir des besoins et des exigences des gens sur une autre utilisation de l'argent, parce que il y a une cohérence nécessaire entre les besoins. Voyez, je vais le mettre pour que chacun le voit. On peut faire un triangle. La pointe avancée du triangle, c'est les besoins. Il faut mettre au service des besoins quoi, de l'argent, la base du triangle, bien sûr, et des pouvoirs des travailleurs, des habitants sur cet argent. Voilà, c'est cette cohérence qui va permettre de faire les besoins, et la flèche du temps qui organise l'ensemble et qui demande qu'on travaille, qu'on réfléchisse, c'est une autre vision que la rentabilité, une autre critère d'efficacité. Et il faut arriver à se mettre ensemble à partir de luttes concrètes d'exigences dans les territoires. Pourquoi cet argent, il ne va pas au service public? Pourquoi, par exemple, on n'embauche pas tout de suite dans l'hôpital? Combien, dans ce que m'a mis le BCE, va aller à l'hôpital? On peut embaucher tout de suite des hospitaliers, pas forcément des médecins parce que ça prend du temps à former, donc il faut mettre de l'argent dans l'université, mais on peut aussi embaucher tout de suite des brancardiers, des agents de nettoyage dans le service public, ce qui va soulager la tâche des autres, et puis organiser à l'intérieur du service public de la formation interne, une sécurité sociale professionnelle pour tout ce progrès. Voilà un peu ce que je pense qu'on pourrait faire à la fois comme diagnostic, comme enjeu sur la mondialisation et comme bataille immédiate pour faire monter des alternatives. Parce que je crois que la difficulté et l'importance du moment, c'est d'être à la fois dans la résistance et la construction. Mais si on saute dans la construction, c'est des tambouilles de sommet. C'est pas ça qui permet d'ancrer dans la réalité. Si on s'enferme dans la résistance, on est petit, on est étroit, alors que c'est pour la première fois, le monde entier est confronté aux mêmes questions. Et donc, on peut arriver franchement à attraper les choses. Mais voilà, où est-ce qu'on attrape et comment? Et la CGT, on a quelque chose à dire, cette question de l'argent et son utilisation, et notamment la Fédération des Finances, comme d'ailleurs la Fédération des Banques, à mon avis, sont un élément fondamental pour ça, à partir d'un travail, on dit aujourd'hui interprofessionnel, confédéral, en tout cas, de croisement et de transversalité entre toutes les activités dans notre pays et dans le monde.